Éclectique, passionné, authentique, La Quinzaine éclate dans sa nouvelle édition. Au programme, la culture espagnole. À l'affiche, le 7e art, les expos, les concerts et les conférences de professionnels. Une organisation Cartelera à l'initiative de la présidente Geneviève Clamens. Cartelera est née dans le cœur et dans la tête d'une toute petite poignée, trois, de fous et d'amoureux de l'Espagne. Cartelera est née en 84. Une petite association ne peut pas vivre simplement de ses rêves. Et quand on a un grand projet, faire ce festival, il faut trouver les partenaires. Et dès 88, je crois que ça a été le grand départ, puisque cette année, donc en 90, c'était la troisième fois que notre partenaire, le Conseil Général du Gard, a avec nous, a fabriqué cette magnifique quinzaine qui est devenue plus qu'un festival de cinéma espagnol, mais qui est devenue une quinzaine espagnole. Hermelinda. Ah, ya estás aquí. ¿Has visto? Ya no hace ruido. Pues mira qué bien. Film récent distribué en France, mais aussi film inédit de la production actuelle, autant de nouveaux sujets pour un public toujours plus exigeant. Cette quinzaine du cinéma espagnol, pour être, c'est le troisième film que je vois après Manolo, Laura et puis celui-ci. Je trouve que le succès se dément pas et qu'on est enthousiasmé de voir des films pareils. C'est très varié, c'est bien. Je vais essayer quand même de voir le maximum de films. Vous a plu? Pas trop loin. C'est superbe. Ils ont fait très fort cette année, je pense encore. Et ça permet, lorsqu'on est un peu hispanisant, d'entendre la langue espagnole. Et c'est sûr que de voir un film en version originale, même si on ne comprend pas la langue, c'est bien plus intéressant de le voir en langue française. ¿Es Angelio? Sí, eres tú. Con la tía a la mano en el paseo de San Juan. También le ayudaste con esta capilla. Te voy a tener que denunciar. A no ser que me ayudes. ¿Qué tengo que hacer? 20 ans, 26 films, le Goya de la meilleure interprétation masculine, Georges Sanz est une des valeurs sûres du jeune cinéma espagnol. Lo que pasa que, bueno, tenía varias garantías. Primero que era Aranda el... Il y avait pas mal de garanties sur ce film. D'abord que Aranda soit le metteur en scène, et ensuite que pour moi c'était bien de changer un petit peu d'image, parce que jusqu'alors j'avais toujours joué des adolescents dans le genre de Manolo, et là je change un petit peu. Pour moi, dans Cité de Senkekai, cela ça supposait que j'allais grandir un petit peu et faire un pas supplémentaire dans le monde du cinéma. Ven aquí, venga. Sí. Quietecita, no grites. ¿Qué quiere? ¿Quién es usted? No grites, pasa. Cuando salimos del franquismo en España, pues bueno. Quand nous sommes sortis du période franquiste en Espagne, tout ce qui était censure, tout ça avait disparu. Il y a eu un certain nombre d'années de libertés absolues avec qui s'est mal utilisé. Il y a eu un peu trop de liberté. Et les auteurs de cinéma en ont profité pour s'arracher un certain nombre d'épines et régler des comptes. Et après, le cinéma a évolué. Actuellement, c'est un cinéma. Le cinéma qui se fait actuellement, c'est un cinéma sans traumatisme, mais qui est quand même très engagé par ailleurs. En fait, c'est un film beaucoup plus normal. En fait, c'est un film qui a une bonne évolution, qui évolue très bien actuellement. L'histoire d'un adolescent qui découvre l'amour dans l'Espagne de l'après-guerre civile. Festival de culture espagnole, il est bien évident qu'on ne pouvait pas oublier le flamenco.
non pas parce que nous sommes des spécialistes, loin de là, mais simplement parce que ça fait partie pour nous de l'Espagne d'aujourd'hui qui vit complètement son flamenco. À l'initiative du mouvement flamenco Anime, Pepe Linares est également co-organisateur de cette journée. Ce qu'on veut faire avoir, c'est que le flamenco ici il est mal connu encore. Et on voudrait faire des flamenco authentiques d'Espagne. Je crois que ça, que c'est un point positif pour montrer le flamenco dans ce cadre. Un programme en trois parties pour cette journée entièrement flamenca. Le matin, les conclusions du congrès de flamencologie de Jerez, présentées par le journaliste Paco Moyano. L'après-midi, la conférence illustrée sur les différents temps du flamenco, animée par Luis Caballero, chanteur et conférencier. Et enfin, dans la soirée, le concert donné par Pepe Linares et El Cabrero, chanteur hors pair, véritable mythe espagnol, de quoi fasciner les amoureux du flamenco. Morirme no quiero morirme. Autre hommage, autre temps fort, du flamenco à la tauromachie, de la tauromachie au cinéma taurin, José Gann, reconnu par les Espagnols comme l'un des meilleurs cinéastes taurins, a offert aux Gardois un véritable florilège que les aficionados n'ont pas manqué de saluer. Agustín Serrano, pianiste, et Eusebio Ibarra, violoniste, se sont produits à deux reprises durant cette quinzaine. Au Grand Temple, puis au Château de Lascour, déjà investi à cette occasion par les plasticiens de l'association Confluence. Un grand moment d'art, de convivialité et de beauté. Sans oublier l'exposition Art et Traditions Populaires d'Espagne aux Archives Départementales et Jeune Peinture Espagnole à Espasgar. Pour couronner donc cette quinzaine de festivals de cinéma et de culture, la remise des deux grands prix du public. Un prix du public pour le film qui a le plus intéressé le public. Le prix est allé au film d'Antonio Del Real, El Río que nos lleva. Deuxième prix du public, le prix au meilleur interprète. Ce fut l'acteur Jorge Sanz qui a obtenu le prix de l'interprète pour son film Manolo. Je ne sais pas si ses 20 ans et son sourire ont conquis le public de Nîmes, mais en tout cas c'est lui qui a eu le prix. Ah, je vais me défendre moi. Ah non. Oh mais qu'est-ce que tu fais? Non
L'édition 90 du Festival de cinéma et de culture espagnole, je crois, a été un grand moment de prestige et d'hommage à l'Espagne. Et je crois que l'édition 91 sera, avec l'aide du département, bien entendu, encore plus prestigieuse et nous ouvrira encore les portes d'une Espagne que certains, en fait, ne connaissent pas encore. Pourtant, on est à la porte de 1992. Jeux olympiques, exposition universelle, Madrid, capitale culturelle de l'Europe. Il faudrait peut-être se dépêcher de connaître cette Espagne. On est là pour vous y aider.